venez de nous présenter un Noël des Gitans à l'église de Mazargues. Comment êtes-vous arrivé à présenter ce type de spectacle ? Ben, je ne l'ai pas monté tout seul, je l'ai monté avec Bruno Alari du groupe Rassegna. Nous, on se connaissait déjà depuis un bon moment, puisqu'on travaille ensemble depuis bientôt 2 ans maintenant. Et toi, tu connaissais déjà pas mal de monde en fait. Tu as appelé Pascal André. Delallé. Voilà, tu as appelé André. J'appelle André. Qui nous a fait connaître Nono, le contrebassiste. Je connaissais Sarah. La danseuse. C'est l'initiateur du groupe, celui qui a monté cette création, qui a dû fouiller dans les réseaux marseillais de la région pour dénicher les experts. Ouais, les experts virtueux pour monter le coup. C'est la conjoncture du projet du Conseil Général d'une part, effectivement, et aussi de la personnalité de Bruno, qui est quelqu'un qui a toujours été très ouvert, qui a toujours fait les liens entre les musiques. C'est vraiment une création ponctuelle pour ce mois. Donc en fait, on a commencé, je crois que c'était le 3. Le 3. Le 3. On en a fait 12 à ce jour, en fait, voilà. Entre le 3 et le 3. Il y en a 15 pour nous. En fait, il y a 4 tournées, vous savez, différentes, qui sont commandées par le Conseil Général. Il y a un Noël mexicain, il y a un Noël, je ne vais pas dire de bêtises, voilà, avec la maîtrise des Bouches-du-Rhône. Après, il y en a 4. Et nous avons une belle part quand même, puisqu'on en a 15 sur 50. Tu connais le message ? Mais non, la question difficile. Tu connais le message, en fait. Croyez à Dieu. Voilà. Noël, c'est aussi... Moi, je leur dis que c'est aussi une fête païenne. Aussi, je veux dire, de nos jours, c'est devenu... Comme quand on mange le gâteau du roi dans un mois, on va pas... Enfin, c'est par gourmandise, pour le plaisir de se retrouver, et puis voilà. Mais je sais qu'il y en a plusieurs parmi nous pour qui c'est vraiment quelque chose d'important. Il y en a pour qui ça n'est chrétien, ça n'est carrément pas la confession, donc cela c'est la question de ce qu'on pas. Et puis il y en a pour qui ça l'est, comme moi, mais c'est vrai que pour moi, je suis content comme là, quand on va se passer le réveillon de Noël, on va se passer la soirée en famille, comme l'a dit Sarah, c'est un beau moment de famille. Il y a eu un véritable phénomène de synergie et de symbiose qui s'est créé dans ce groupe-là. On s'est rendu compte, quand on a commencé à s'ouvrir avec nos divers bagages, nos divers valises culturelles chacun, que finalement on est beaucoup plus famille et proches les uns des autres que ça. Nos racines ancestrales, elles sont profondément communes. Thank you.
ça oui. Même à Aix en Provence. Beaucoup. Vraiment. Ah oui. Tous les Portugais, tous les. J'étais en Provence, partout. Nîmes, Montpellier, Béziers, c'est Provence. La Camargue. La Camargue, Aix, Marseille. Arles beaucoup. Arles. Terre de gitans, quoi. Ah oui. Et Marseille aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gitans aussi maintenant. C'était un peu le message de celui-là, c'était montrer les gitans de Provence. Voilà. Parce qu'il y a des gitans, on parle toujours des gitans qui sont dans le pays de l'Est, des gitans d'Andalousie. Il y a les gitans, la communauté gitane de Provence, c'est une terre, ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accueil, pas toujours autant que ce qu'on voulait, mais il y a eu des gitans. C'est pas exactement le même langue gitane que celle de ceux d'Andalousie. De... J'essaie de le faire un peu parler, mais c'est. J'aurais pas dû venir m'asseoir à côté. Non, c'est bien. À parler de ce projet avec Bruno, on ne savait pas trop comment on allait articuler tout ça en fait, parce que c'était pas évident de mélanger effectivement le style provençal avec le style zigane, manouche, flamenco. Et puis c'est vrai que les personnalités ont fait que ça s'est fait naturellement. En fait, c'est le contact entre nous qui a fait que ça s'est mis à fonctionner naturellement. C'est justement ce que je vous disais au début, c'est qu'on s'est rendu compte que tout ça en fait c'est très lié. Moi, de par ma double culture zigane et roumaine, en tant que tzigane, j'ai vraiment fait l'expérience concrète d'une continuité familiale avec Tchoum qui est gitane d'Espagne. Moi, en tant que tzigane de Roumanie, que ce soit des mots qu'on reconnaît ensemble, des comportements, un vrai stéréotype de personnalité qu'on retrouve même si des milliers de kilomètres nous ont séparés sur notre route. Et en tant que roumaine, donc de culture latine, on s'est rendu compte que la langue roumaine et la langue provençale, elles sont très proches.
quasiment compréhensible. Moi, on parle provençal, je comprends tout. Je parle clairement roumain, en provençal, il comprend tout. C'est très proche du latin, tout ça. Et donc, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas en train de rassembler des éléments disparates, mais au contraire, de renouer des liens qui existent au tréfonds de nos mémoires. Donc on vient de jouer, de faire ce magnifique concert de Noël des Gitans de Provence, ce jour même à Marseille. Et à même pas un kilomètre de là, 35 familles de Tziganes viennent de se faire expulser et fêter ce magnifique Noël 2008 dans le froid, dehors. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a quasiment une schizophrénie du comportement politique. Mais prenons le côté positif des choses, qu'il y a quand même une assimilation, ne serait-ce que de notre culture et de notre apport musical et de notre apport énergétique de ce qu'on ramène, et qu'on puisse jouer avec les provençaux et être intégrés comme faisant partie du paysage et du terroir local, puisqu'on est là et qu'on existe aussi. Donc à la fois je suis fière d'avoir fait ce pas en avant pour cette communauté, et à la fois je me sens vraiment redevable et responsable pour de le dire, qu'on fait et on joue leur musique, et qu'en même temps, bah, eux, ils sont jetés, je ne sais pas trop où, je ne veux pas dire... Enfin, ça se comprend, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop vous faire du violon, on a compris. Il fait froid, c'est l'hiver. C'était vraiment une occasion de découvrir de très bons musiciens et de kiffer la vibe, quoi. Mais je crois que particulièrement cette musique, c'est vraiment des énergies, en fait. C'est vraiment déjà des musiques qui sont basées sur les énergies. Et là, vraiment, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fusionnel qu'on a réussi à trouver.